J'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ce qui sera en fait l'ouverture des abonnés. Donc en fait j'ai bon là c'est juste voilà par principe. Donc nous déjà aujourd'hui on va ouvrir 4 boosters sous blister vigueur spectrale. Donc bref, je vous explique. En fait ce que j'aimerais c'est que vous me disiez quelle prochaine série vous aimeriez voir. Donc ça on fera ça peut-être une fois par semaine. Donc je sais pas, peut-être ouais l'ouverture des abonnés comme dit, ou on verra de changer le titre. En fait ce que j'aimerais c'est que vous choisissiez, bon à chaque fois ce sera différent, bon là ça a juste été pris comme ça, hein, c'est un petit test, voilà. Donc vous me disiez en fait quelle série vous aimeriez voir, et du coup bah, la semaine d'après on se fera une ouverture, je sais pas encore de combien de boosters. Mais on se fera une ouverture en fait de la série que vous avez choisie. Voilà, donc si jamais ça vous va, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc nous, on va en profiter, on va s'ouvrir ça. Parce que ceux qui n'ont pas vu en fait la réception PCA d'hier, bon je vous mettrai un petit lien ici, là normalement, là, ici. Voilà, ils ont dû voir que certains ectoplasmas dont je rêvais d'avoir de bonnes notes ont eu voilà, des notes un peu pas très très fameuses, on va dire. Et voilà, j'ai vraiment envie de retomber sur un ectoplasma, juste pour pouvoir le renvoyer à PCA. Donc on verra bien ce que ça va donner. Quand j'arriverai à les ouvrir, vous inquiétez pas, je vais gérer. Pardon, je suis encore un peu sous l'émotion en fait d'hier, parce que la réception PCA, elle était vraiment... Bon, elle était super quoi, moi j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je vous mettrai vraiment le petit lien, hein. Comme dit, je vous l'ai mis tout à l'heure là. Faut vraiment aller la voir si vous aimez le PCA. Enfin, moi perso, voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo. J'espère qu'il y en aura plus souvent. Donc voilà. Alors attendez, je vais jeter tout ça. Tac, et on va pas perdre trop de temps. Tac, on va prendre ça. Donc n'oubliez pas, hein, vous choisissez la série que vous voulez sur la liste qui est ici. Donc il y a du Soleil et Lune, du XY de base, du Glaciation Plasma, du Ciel Rugissant, du Destiné Futur et de l'Impulsion Turbo. Donc vous choisissez la série que vous voulez voir, vous le dites en commentaire et on s'occupera de ça la semaine prochaine. Enfin, une fois par semaine, je pense qu'on fera ça comme ça, ça peut être pas mal. Enfin, c'est à vous de me dire hein, surtout, donc si jamais ça vous plaît pas, voilà, on arrête tout de suite, hein, donc comme ça au moins. Donc allez, on est parti. Cherche VS, Ramboum, Scrutemain, Levenard, Mucuscule, Krabi, Archéomir, Soloshi, Crocodile en reverse et on termine avec un Navaltou. Bon, un Navaltou, d'accord. Chacun son trip, hein. Tac, on enchaîne avec Diancie. Tiens, ouais, on va prendre Diancie. Bon, ce serait bien d'avoir quelque chose quand même, parce que bon, voilà, c'est un peu notre credo, là. Tac, le petit code est pour vous. On fait du 3. Et on est parti. Alors, Diamat, Luminéon, Nosferalto, Écaillon, Mediena, Larveillette, Levenard, Mucuscule, Gloopty en reverse, et on termine avec un Flambusard en rare. Ok, suivant, Exagide ou Méga... Non, Exagide, allez, Exagide. Tac. Tac. Le petit code. Voilà. On se refait du 3. J'ai bien fait 3, là. Oui, c'est bon. Mais parce qu'on sait jamais, hein. Allez, c'est parti. Donc, Tierno, Géolite, Maya Améliorée, Mimitos, Muna, Piafabek, Gloopty, Yanma, Mimitos en reverse. Et on termine avec un... Lansargo en rare. Bon, ben, elle est pas super chanceuse, cette couverture, quand même. Bon, allez, on enchaîne, on continue, on verra bien. Tac. Ça, c'est pour vous. On se fait du 3. Et on est parti. Alors, Crocodile, Scrutemain, Géolite, Écaillon, Sucroquin, Cornèbre, Nosferapti, Sapro, Flambusard. Bah tiens, en rare reverse. Et on termine avec... un Banshee-trouille holographique. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire? Non, vous me connaissez, hein. Vous me connaissez. Donc, je vais peut-être le couper au montage, mais je reviens. Tac, et re. Voilà. Bon, j'en ai pris 4 au pif. Ouais, j'ai pris les 4 premiers. Non. D'ailleurs, je me demande si on va pas faire un autre concept. C'est, on ouvre jusqu'à ce qu'on ait une ultra. Voilà, comme ça, au moins. Tac. Non, on va pas finir sur rien du tout. Non. Ah non, attendez. Pas quand on en a autant encore à ouvrir, c'est pas possible. Allez, le 3.
Tac, et on est parti. Alors, pièce faussée, Léopardus, Crocodile, pardon, Carabingue, Le Vénard, Sapro, Nosferapi, Hermure, Chuchemur, en reverse, et on termine avec un Graillena. Ok, suivant, hein. Ouais, on l'a dit, on va continuer, on verra bien. Hein. Attendez, alors celui-là, par contre, il est un peu plus résistant, je crois. C'est un peu plus compliqué à ouvrir, cette histoire. Hop. Ah bah la dernière fois qu'on en avait sous blister, on avait plus de chance. Bon, c'était pas en vidéo, mais bon. Donc tac le petit code. On se refait du 3. Ouh, elle est éclatée. Eh bah espérons que ce soit pas une ultra. Allez, c'est parti. Crocodile, lien spirituel ectoplasma, rapace de pique, Yanma, Piafabec, Galvar en Cornèbre, Mimitos, Muplodocus en Rarible. Elle est trop jolie cette carte. Franchement, elle est super belle cette carte. Ouais, et on termine avec. Ah bah voilà, on arrêtera là. On arrêtera là. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça nous fait la petite ultra. Tac. Bon, je pense pas que celle-ci aura mieux. Hein. Je suis vraiment pas sûr. Surtout là, à cause du petit pet là-haut, là. Ouais, ce petit pet là. Bah écoutez, bah c'est parfait. Voilà. J'ai pas les protections. Je suis tamé. C'est pas possible. Ah, nickel. Alors, bah voilà. Bah écoutez, nous on va s'arrêter là. On aura terminé quand même avec le petit méga ectoplasma AUX. C'est parfait. Tac, on y va tout doucement parce que sinon on l'abîme un peu. Tac, nickel. Bon bah écoutez, bah voilà, bah c'était c'était bien. Parce que même si on n'a rien eu au début, on terminera quand même avec le petit méga ectoplasma EX qui est une super belle carte et que j'adore, donc c'est parfait. Donc je vous la refais vite fait. Donc ça c'était la première de ce que je sais pas encore le titre, hein, peut-être le voilà l'ouverture des abonnés ou je sais pas, on verra pour le titre. Donc n'hésitez pas à choisir l'un des boosters qui sont là derrière. On va faire ça comme ça. Voilà, donc l'un des boosters ici. La semaine prochaine, du coup, on ouvrira la série de votre choix. Donc ça, bah écoutez, si jamais ça vous va, bah voilà, ça nous fera des petites vidéos et puis tout le monde sera content. Voilà. Bah écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve. Bon, on se retrouve pas demain parce que demain c'est Dessi sur Origine Antique pour la partie 3 du display. Donc je pense que nous ce sera lundi. Mercredi, je pense qu'il y aura le défi de Chine avec son super display Appel des légendes. Donc il n'y a pas de raison, on va en ouvrir un aussi, on va répondre à son défi. Et puis, bah voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous le souhaitez, à commenter, à partager, à liker. C'est exactement pareil que lâcher un pouce bleu hein, finalement. Et abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye et surtout n'oubliez jamais profiter à fond de votre passion.